Bonjour mes amis, alors aujourd'hui on va commencer notre nouvelle unité. On va commencer l'unité 13, les villes polluées. Alors la dernière unité que nous avons vue, l'unité 12, parlait des animaux imaginaires, vous vous souvenez? On a parlé de Zoran et le dragon, d'accord? C'est le dernier texte que nous avons fait. Zoran et le dragon, ouais, vous vous souvenez? Et on a fait le zèbre. Et à mon ami l'oiseau, le poème à mon ami l'oiseau. Et là, on entame le thème 5 qui est pollution et protection de la nature. Pollution et protection de la nature. D'accord? Au cours de ce thème, on va voir. On a trois textes sur ce thème. On a le dernier arbre. On a c'est beau la mer et les fleurs de Madame au chocolat. D'accord? Très bien. Et l'expression orale, nous allons voir aussi. Des questions avec encore, plus les réponses négatives avec ne plus arriver à. Et on va employer à cause de. On va utiliser le verbe arriver au passé composé et employer le verbe aller au subjonctif. Vous vous souvenez du subjonctif? Très bien. Et on va aussi employer des adjectifs pollués, purs. D'accord? Employer aussi le verbe vivre, plus les prépositions, et employer les verbes arroser, allumer, réciter, féliciter, arracher, couper. Employer les adjectifs furieux, au féminin, dire là c'est furieuse, plus le parce que, et employer le verbe se rendre, plus préposition. D'accord? Très bien, c'est ce que nous allons voir sur ce thème. Alors maintenant, je vous demande tous d'ouvrir votre livre de lecture, d'accord, à la page 72. Et vous allez observer le dessin. On va observer tous le dessin. Dites-moi ce que vous voyez sur le dessin. Ville polluée. Qu'est-ce que vous observez sur le dessin? Alors, je vais vous poser quelques questions et vous répondez, s'il vous plaît, à voix haute. Où se passe cette scène? Elle se passe où? La scène que nous voyons, la scène, elle se passe où? D'accord? Qu'est-ce qui sort par les cheminées des usines? Ça, c'est une usine. Ça, c'est une usine. Qu'est-ce qui sort des cheminées des usines? D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir le ciel? Est-ce qu'il est bleu? Vous répondez à ces questions en observant l'image. D'accord? Alors, cette vous répondez à voix haute, d'accord, pour que vous puissiez vous entendre et votre oreille vous aidera à corriger s'il y a quelque chose à corriger. Très bien. Alors, cette scène, elle se déroule en ville. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'elle se déroule en ville? C'est le trafic, les constructions, d'accord, les voitures, les usines, ça existe en ville, ça n'existe pas à la campagne. Et des cheminées des usines sortent, se dégagent de la fumée. Et aussi de la fumée des pots d'échappement des voitures, se dégagent des pots d'échappement des voitures, des camions. Ces deux-là, on voit aussi de là des ordures. Des ordures un peu partout. Ces deux-là, pollution. Ça s'appelle de la pollution. C'est une ville polluée. D'accord? C'est une ville polluée.